la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons confier ce programme-là au Seigneur et demander à notre Dieu de nous bénir. Prions ensemble Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, notre Dieu, que tu rendes toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence, merci de te manifester cet après-midi dans la vie de chacun de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci notre Dieu. Merci de nous bénir, merci de nous te glorifier. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Gloire et honneur à toi seul. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci à notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant. Nous te rendons toute la gloire. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui obéit à mes commandements, ses ennemis seront mes ennemis. Vous comprenez? C'est conditionné. Pour que tes ennemis deviennent les ennemis du Seigneur, il faille que tu obéisses au commandement de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous défende, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, si vous voulez voir Dieu confondre vos ennemis, la seule chose, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Donc tu vas prier et demander au Seigneur de t'aider à marcher selon sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Chacun prie. Nous te prions. Seigneur notre Dieu, merci. Intervenez, merci. De te manifester. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons sur ta puissance. Merci de te glorifier. Merci d'agir fortement au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions, merci de te manifester. Et merci d'agir fortement dans ton Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci pour ta Seigneurie. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur dit si vous obéissez à ma parole, vos ennemis seront mes ennemis. Vous savez pourquoi le diable aujourd'hui règne sur nos vies? C'est que quelque part,
nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Il dit, si vous obéissez à ma parole, vos ennemis seront mes ennemis. Que vous voulez ou pas, vous aurez des ennemis. David dit dans le psaume 60, verset 14, dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Il faut que Dieu soit le contrôle de ta vie. Il faut que Dieu soit la première place de ta vie. Aujourd'hui, la sorcellerie gagne du terrain parce que quelque part, on s'est éloigné de Dieu. On a tourné à Dieu. Et l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit destructeur. Et quand il y a l'esprit de la sorcellerie dans une famille, d'abord, c'est la famille. Parce que d'abord, familial, la sorcellerie. Elle va commencer d'abord des tout dans la famille. Elle va commencer à toucher tout. Le premier niveau, vous savez déjà, quand quelqu'un commence à être sorcier, il va d'abord tuer une première personne. Une personne par mois. Le niveau 2 va trouver par semaine. Et le niveau 3, c'est par jour. Donc, on ne peut pas être sorcier tant qu'on n'a pas tué. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est un esprit qu'on doit combattre. Parce que quand c'est dans la famille, ça crée le retard. Et dans les régions où il y a la sorcellerie, vous voyez dans les pays où il y a la sorcellerie, la haute sorcellerie, vous voyez le retard. Vous voyez, vous allez voir juste au Bénin, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas la sorcellerie. Le Bénin où on dit à tous, regardez le retard. Ils disent qu'ils ont le vaudou. Mais ça a apporté quoi aux gens? Rien, le retard. Vous allez regarder au Cameroun, le retard. Vous allez aller au Congo, RDC, pour lequel nous devons beaucoup prier pour ce pays, parce que maintenant, pendant que je parle, il y a beaucoup d'affrontements là-bas, les gens sont en train de tuer, les policiers, les corps habillés sont en train de tirer sur les civils, et que Dieu protège ce pays qu'on appelle Congo, RDC. C'est un pays où il y a un scandale géologique. Le pays est très riche, vachement riche, 10 fois plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais le pays est en retard. Le pays est en retard. C'est ça qui met notre chère Afrique en retard. Cette présence de la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Le manque de moyens. Et il y a la maladie. Parce qu'ils ont cette capacité de rendre les gens malades. Ils détruisent la destinée des gens. Et quand les sorciers ne sont pas inquiétés, ils gagnent du terrain. C'est pour cela que les Occidentaux, comme j'ai l'habitude de dire, à un moment donné de leur histoire, ils ont fait foi à la sorcellerie. Ils disent, pour qu'on soit développé aujourd'hui, il faut qu'on attaque l'esprit qui entoure le développement. Donc la sorcellerie empêche le développement. Quand quelqu'un veut construire dans un village, les sorciers vont vouloir le tuer. Si comme construire une maison est mauvaise, vous comprenez? C'est trop bête. Tu vas avoir une voiture, ils vont vouloir te tuer. Donc c'est ça qui crée. Donc les gens ont décidé de dire, bon, ok, il faut qu'on attaque cet esprit-là. Parce que si on attaquait la sorcellerie, c'est ça qui est dans votre prière, attaquer l'esprit de la sorcellerie. C'est rien que ça. C'est l'esprit qui vous détruit. Le sorcier lui-même, là, quand tu vas lui demander, il va dire, où est le Dieu là? Il dit, c'est l'esprit. Oh. Et il n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il est contrôlé par un esprit. Quand il dit, va manger, il va manger. Il prend son air, bangolo, il voyage. Donc c'est un esprit. C'est ça que chaque chrétien doit combattre cet esprit. Chaque individu doit combattre cet esprit. Que tu veux ou pas, ils sont là d'une manière subtile dans ta vie. Ils te combattent. Ils ont dit, ok, il faut que nous combattons la sorcellerie. Et c'est dans leur histoire. Quand ils ont fini de combattre la sorcellerie, aujourd'hui c'est les meilleurs. On les envie aujourd'hui. Ils ont des grandes industries. Vous regardez là-bas chez eux, là-bas, ils n'ont rien. Ils n'ont pas des champs de cacao. Ils n'ont pas des champs de bananes. Mais ils ont l'argent, ils ont le développement, ils ont les buildings, ils sont développés. Le fer, ils ont tout. Tout provient de l'Afrique. En un mot, c'est l'Afrique qui ravitaille l'Occident. C'est nous qui les ravitaillons tout. Mais tu vas aller à l'école, Sorchi va venir prendre petit connaissant que tu as, ta carte mémoire, la giga que tu as là. Il mange. Sorchi va venir détruire ça. Du coup, tu es devenu fou. Tu as un diplôme, tu ne peux pas travailler. Donc, ils ont combattu la sorcellerie pendant 3 siècles. 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Et puis aujourd'hui, le 18e siècle, c'est le siècle de lumière. Donc si vous ne combattez pas la sorcellerie, vous n'allez jamais émerger, vous n'allez jamais prospérer. Négliger la sorcellerie, c'est négliger sa propre vie.
Parce que vous avez un ennemi, que vous voulez ou pas, c'est les sorciers. Ils sont là, ils vont combattre. C'est ça que nous autres, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous utilise pour ouvrir les yeux des gens sur le phénomène qui est la sorcellerie. C'est un fléau qui est en train de nous détruire. Ils n'ont pas besoin de visa pour voyager. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous aide. Et c'est ça que chacun a besoin de s'attacher au Seigneur pour avoir plus de victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Amen. C'est ça ici, quand tu es ici, chacun a son clan. Si tu es sorcier, il y a ta place quelque part. Il ne faut pas te mélanger. Non. En fait, que tu vas nous regarder comme gigot. Le poulet, tu veux nous manger. Oh, ton voisin. Il y a des églises où ton voisin, même les sorciers, ils regardent. Pendant que le pasteur prêche, lui te voit en viande, choukouya, il veut manger. Ils sont dit, bon, venez vous asseoir ici, c'est votre quartier. Voilà, faut pas vous aller nous voir comme viande. Hein, pendant que le pasteur prêche, il dit, mais tu dis, mais à goûter là, est-ce qu'on ne peut pas mettre dans son grain pour manger un placard. Donc, et là, vous avez vos quartiers, chacun a son quartier. Le jour où cela est délivré, parce que ton moment n'est pas normal. Ce qui vous anime là, c'est dangereux. Voilà. Vous êtes très possédé. Vous voyez l'homme en viande. Or, l'homme ne peut pas être viande. Donc, c'est pas on les met de côté. Et ce qui aide les sorciers, c'est les aveux. Quand un sorcier ne parle pas, il ne peut pas délivrer. Amenez-le partout. Tant qu'il n'a pas parlé, il ne peut pas délivrer. C'est pour ça qu'il y a même un moment de mourir, il confesse d'abord. C'est tout. Il va parler d'abord avant de mourir. Voilà. Donc, on va vous faire parler. Nous, on n'a pas besoin d'être en mur. Tu parles devant tout le monde ce que tu as fait. C'est une méthode, selon Dieu, qui nous a inspiré ça dans Jacques. Confessez vos péchés les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques, le chapitre 15, le verset 16. Voilà, ça a toujours marché ici. On a plusieurs sorciers qu'on a délivrés. Voilà. Maintenant, on pensait qu'avant, c'était les papas. Avant, quand tu vas au village, tu as peur. Le vieux, où tu fuis, la canne, il est moche, il marche. Oh, aujourd'hui, un enfant de 2 ans peut te manger. Là, c'est les bébés qui sont dans la sorcellerie. Les bébés, là même aujourd'hui, peuvent vous manger. Voilà. Quels sont ceux qui ont été délivrés? Cinq. Quels sont ceux qui ont été délivrés? Venez ici. Les gens pensent qu'on ne peut pas être délivré de la sorcellerie. Si. Ah, bébé, là, c'est pour toi. Comment t'as eu bébé? T'es cherché et puis danser à bébé. Qu'est-ce qu'il boit? Sang ou bien? Bébé la bière. Papa, elle est où? Maman. Il peut voir. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Hein? C'est papa, non? C'est vraiment. Je t'ai aidé où? Tu dis, il fait rien, c'est il est vraiment. C'est François, il va rien, on parle. Il a un ruisseau. Un paysan. Tiens, qu'un gars comme ça t'a l'air, Marie? Tu n'es pas ambitieuse, hein? Qui a fait pain de ta mort? Hein? Vous pensez que vous vous amusez là, bébé sort dedans. Amusement, fait derrière maison, il y a bébé dedans. Soyez un biche, l'enfant est un biche. Je ne sais pas comment vous êtes. Mais il faut être un biche. Tu es né dans la pauvreté, il faut combattre ça. Toi-même là, si tu manges bien, tu as envoyé un enfant là, dans souffrance. La petite main est en train de tirer de ses viandes à la terre. Changer, hein? Ça va, monsieur? Trop grand de taille. Ça va? Ah, c'est quel sorcier qui est long comme ça? Ça va? Vous avez trop mangé avant. Ça va? C'est toi, faut-il? Tu attaques ton papa pasteur. Vous n'êtes pas content? Pourquoi aller manger viande? Et puis de l'or. On attend votre témoignage. Voilà, allez-y.
Vous avez vu les gens, c'est pour dire qu'on peut être délivré de la sorcellerie. Voilà, maintenant ils ont quitté leur camp, ils sont à nous. Voilà. Pourquoi tu as t'asseoir à nous pendant que tu es sorcier, tu as voulu manger la tête de quelqu'un. Vous mettez dans sauce du blé. Le vieux, tu es sorcier. Viens avec ta femme. Comment monsieur, madame, tu peux être sorcier? Coupe sorcier. Aujourd'hui là, par l'eau. Hein? Ah. Parler, on va régler, on va aller à Bangolo. Tout votre groupe là, on va les mater là-bas. Parce que moi j'ai envie d'arriver au village là-bas. Parler comme ça, on va arriver là-bas. La vieille, tu es sorcier? Tu dis oui. Tu es sorcier? On les a forcés pour parler ou bien ils sont vrais sorciers? On a un magoua qui est en train de me faire, mais je ne sais pas où il est. Il y a personne qui est Tu es né à ça. Pourquoi? On t'a pas donné. Non, maintenant quand tu es né à ça, tu as eu ta confrérie, la société. Oui, je suis né, mais je suis né, après tu es condamné. Il n'a pas compris. Il est né dedans, il est né, non? Donc il a trouvé, il s'est mis dans une confrérie. On a voulu regarder, moi j'ai oublié, comment ça s'est passé? Puis tu t'es mis dedans, comme tu dis quelque part quelqu'un t'a donné. Donc tu as trouvé qu'il y a des gens qui mangent, donc tu es allé, tu dis bon, c'est que vous faites la chute dedans, si on mange ensemble. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça? C'est comme ça. Ça c'est le travail ça? Non, toi on ne t'a pas donné, tu es né dedans. Et puis comment tu es arrivé à te mettre dans un groupe? Quand je vois les vies, comment tu les vois? Comment? Faut expliquer. Non, je veux que tu expliques. Tes yeux voient comment? Bon, il dit quand il est né, là, il les voit en même temps. Bon, tu les vois en train de faire quoi? Voilà, ma Dieu, Bodo, voit noir. Il les voit en sorcellerie. Il les voit quoi? Il les voit en sorcellerie, comment? On a commandé des choses. Il dit quand il dort, là, et puis il se transforme, et puis il va dans l'air. Mais tu n'étais pas encore là-bas. Comment tu t'es retrouvé là-bas? On a serré quand il est au passant. Il dit il est né dans ça, donc c'est facile à les retrouver. Ils t'ont pas chassé? Nous sommes les noms. J'ai besoin de toi. Pourquoi? Je veux faire le travail. Manger, tu donnes pour toi et donnes pour elle. Qui a donné? Elle est née à ça ou bien elle a donné? On a un ouais. Nous on dit ou bien un yon. Elle dit c'est Satan. Il a donné la sorcellerie. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Pléon. Comment? On a connu Magnès. Elle a préparé manioc. Bah, ça revient encore par là. Il n'y a pas de blé. Hein? Ah, pourquoi c'est bah, tout le monde dit? Donc blé et puis bah. C'est ça? Il y a quoi dans le blé là? On est né à ce moment-là. Elle dit que ça vient de l'homme. Et tu as mangé? Tu avais quel âge? On a ma noix, j'ai même ma bière. Même là, c'est bien pour un nom.
Elle est encore jeune, c'est ça? Elle est encore très petite. Et puis toi, tu es né à ça. Et puis tu allais marier quelqu'un qui a ça. Comment tu as su qu'elle avait ça? Quand il y a dit au temps de jeunesse de la jeune, Non, mais pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un qui ne mange pas, puis tu prends quelqu'un qui est sorcier? Pourquoi tu es sorcier? Mais oui, quand tu es sorcier, qu'est-ce que tu es sorcier? Hein? À quoi ça vous fait rire quand vous parlez? Je ne sais pas. Quand tu es sorcier, là, tu sais quoi, tu es sorcier? Comme ça, fais quoi, elle prépare. Il faut lui demander. Elle n'a qu'à bien parler, moi, je suis en train de régler. Il faut lui dire ça. On a un boucadon, voilà. Lui, il est sorcier. Il faut demander, c'est ça. On a un maquin, quoi, il y a un boudibi. Et tu es sorcier. On a un diabou. Mais pourquoi t'allais marier, tu as accepté marier un sorcier? On a un gagnon de. Ouais, mon bouillon, il y a. Elle dit qu'un patin me marie, elle ne savait pas qu'il est sorcier. Non, c'est ça ton problème. Lui, il savait, lui, il dit. Quelque chose qui est cool, on peut allonger ça. Je t'ai demandé, tu savais, tu étais en train d'allonger. Pourquoi me fatiguer? Aussi, tu savais, tu as marié un sorcier. On a un divisé, on a un bouillon de ma maman. Comme ça, celui tu viens, tu ne cries pas. On a plé et puis pas. Est-ce que la sorcière c'est une bonne chose? On a un bon aller, moi je dis. Elle dit oui. Pour elle, quoi. C'est bon. C'est bon comment? Eh maman, vous voyez l'idée, il y a une idée d'une. Elle dit un peu ça, c'est pas bon, ça se dit là, c'est pas bon. Pour expliquer ce que tu as fait. On a des noirs, mais il y a tout le monde sur le dos. Il y a quoi? Ah, moi, il y a un bagne. Il y a un bagne, il y a un méchant, mais il dit, lui, en sorcellerie, il a chien méchant. Il se transforme en chien. Il se transforme en chien méchant. Et c'est lui, le grand-père envoie en mission. Il va en mission. Vous êtes combien dans vos sorcelleries, dans vos groupes? Alors, il est bien. 12. 12. Vous dites le nom. Pas me dire le nom de quelqu'un qui est mort. Parce que vous aimez mentir. Hey, vous remplacez quand quelqu'un meurt, on remplace. Si vous êtes 12, c'est que les 12 là sont là. Si quelqu'un est mort, vous remplacez. Donc, dis-moi le nom des gens qui sont là. Oui, remplacement là. C'est ça que vous êtes. Vous, Michel, il fait quoi? Il est dedans. Il est où actuellement? Qui est encore? C'est le Basi. Hein? Basile, il fait quoi? Lui, c'est le père qui a remonté, mais c'est lui qui a rapporté. Oh, Basile, les sorciers ou les bas sorciers? Les sorciers. Alors, il y a qui encore? Il s'appelle Basile, les Français. Basile quoi? Il n'a pas non guéri. Il a fait son Basile. Ok. Deux Séraphins. Deux Séraphins, les sorciers. Les sorciers. Oui. Il y a Louise. 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 Elle dit quoi? Elle est quoi?
Elle est sortie aussi. Elle fait quoi? Elle est dans la cuisine ou bien? Oui, elle est dans la cuisine. Mm-hmm. Une coupe les aubergines. David. Blaye David. Il fait quoi? Sorcier. Ça fait 4 ou 5 maintenant? 6. Cinq, oui, allons-y. Et Roland, pourquoi tu lui demandes ça? C'est vos plans, c'est heure. Oui. Ça fait 6. La vieille, elle est fatiguée. Donne une chaise à la chambre. Donne une chaise à la vieille. Ça fait 7. Blessure de fruits. Hein? De fruits. Oui, blessure. Il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Blessure de fruits. Ça fait blessure de fruits. Oui, allons-y. Oh, allons-y, allons-y. Suite derrière, ça fait 8. Ça fait 8. 8. Pour prendre un micro, c'est ce qu'on veut. Ça fait 8. Ça fait 8. Oui, allons-y. Plus toi, ça fait 9. Plus ta femme. Hein? Les deux autres. Maman, bon, tiens. Ah, quelqu'un qui m'aide toi la nuit, tous les jours, tu connais pas son nom? Ils sont venus me faire parce qu'ils ont changé leur maison et puis il allait à partir. Il allait où ça en ville, mais il vient pas avec vous la nuit. Alors, mais dis, non. Bon. Qui est patron là-bas? C'est moi. C'est toi qui es patron. Vous faites ton village là-bas, vous êtes tous ton village. Quel village? Hein? Globlo. C'est où ça? C'est où? Bruno Forge. C'est où ça? Ah bon, sous le vêtement de Bangolo. Donc vous êtes tous sorciers à Gobou là-bas. Vous faites quoi dans le village? On détruit les gens. Hein? Oui. On détruit les gens. Bon, détruit quoi? Vous détruisez les gens comment? Bon. Si à Zeb, on va aller. À l'école. Gâtez. Faut expliquer. Si les gens doivent aller à l'école, vous gâtez ça comment? On parle son nom. Hein? On parle son nom de temps. Vous parlez nom de l'élève. Donc quand ils vont faire l'examen, vous connaissez déjà le nom. Oui. Et puis vous dites, mon frère, vraiment gagner BBC, on va faire BAC, on va BTS. C'est que les bouches. Vous gâtez ça. Vous gâtez quoi encore? Bon, moi j'ai gâté un détruit au papier de ma fille. Ta fille? Ta fille. Elle est où? Elle est habitant, elle est venue sur le papier. Tu as gâté son papier? Son papier. Son papier qui est là, son grand-père lui a dit de faire papier. Mm-hmm. Ils ont fait l'argent dedans. Mm-hmm. Pour lui compte quoi? Un compte bancaire. Voilà. Quand le compte est là, quand le papier est sorti, son nom est sorti en un garçon. J'ai pas compris. Vous avez compris? Elle s'appelle Boblaye Emily. Elle s'appelle quoi? Boblaye Emily. Boblaye Emily. Maintenant, quand ils ont fait papier, son nom est sorti Boblaye Emily. Même sur son passeport, où est devant aller chez notre grand frère? En Europe. En Europe. Passeport là, c'est sorti encore Boblaye Emily. Emile. Jusqu'à présent. Et en rêve, elle voit sur le passeport là, visage de garçon. Elle envoie le passeport là, ici, puis elle est repartie. Il faut qu'elle vienne me voir vendredi. Avec le passeport. Elle n'a qu'à venir me voir le passeport vendredi. J'ai dit, comment tu as fait pour mettre le nom des garçons? Oui, oui, mais comment tu as fait? Quand je regarde, quand je tape, quand je regarde. Tu étais où pour t'appeler? On est à côté de...
Comment toi t'es causé secrétariat pour la banque là, tu comment? Non, oui, on peut partir. Oui, mais toi t'étais où? J'étais là-bas. Comment ça? Non, non, je sais pas. Ah, c'est toi qui allais faire? Ouais. C'est lui? Ah, il est parti à ça et la fille. Mais comment tu es comment tu oh, ah, lui, là, au village. Le grand frère a appelé. Comme elle est à Abidjan, allez-y. Ah, le grand frère a appelé pour dire comme elle est à Abidjan, lui, là, au village. Donc, s'il envoie l'argent, si lui, la moisie, elle va prendre l'argent pour l'envoyer. Donc, les deux sont partis. Et là, son nom est devenu Émile. Émile, on est des millièmes. Donc, le gars est tapé, il voit Émile. Oui, il met Émile. Il met Émile. C'est toi qui as fait ça. Tu voulais faire quoi? Gâter. Oh non, laisse ça faire des soucis. Et il faut pas rien. Hein? Eh monsieur, tu aimes pas, c'est vrai. Mais là, c'est pas amusement. Je n'aime pas qu'on rien de ce sujet-là. C'est pas ça de théâtre. T'as besoin de gâter la vie de quelqu'un, il faut parler sérieusement. Faut pas rien ça. Donc, ils ont envoyé l'argent pour arranger les papiers, pour créer, pour faire banque, c'est ça? Un compte bancaire, pour faire partir la fille. Et toi, tu as changé pourquoi? Tu veux gâter la vie de ta fille, c'est ça? Et pourquoi? Elle va rester. Et comme ça, toi, tu vas la marier. Tu vas lui donner de l'argent. Et elle allait faire le passeport. Mais vous aussi, quand on prend le papier, on ne voit pas Émilie, là, je ne suis pas allé faire le passeport. Elle a continué le papier. Ils ont fait Émilie là-bas aussi. C'est Émilie qui est sortie. En faisant le passeport. Non, passeport. Elle est partie à l'aéroport. Maintenant, c'est là ils ont vu Émilie. Ah d'accord, maintenant elle explique très bien. Ça dit que le rendez-vous maintenant là, c'est dans ça. On dit que c'est pas Émilie que c'est le nom des garçons qui est dessus. Elle allait prendre le rendez-vous à l'ambassade. Voilà. Et on regarde maintenant le passeport. Elle même n'a pas vu. Non, elle ne sait pas ce qu'on parle. Elle ne sait pas. Tous les papiers sont prêts, maintenant elle partit pour prendre rendez-vous. Maintenant, on dit, mais ça c'est Émilie, c'est pas Émilie. Et c'est toi qui as fait ça? Elle peut m'envoyer le passeport? Il faut l'appeler, n'a qu'à venir. On va voir ça. Vous allez voir comment son sorcier travaille. Donc, il y a la photo d'Emilie, et puis c'est Émile qui est à côté. J'aimerais voir ce passeport-là. Vous voyez quand les sorciers travaillent? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi elle a ce monsieur? Et tu as gâté quel enfant encore? Oh. Son grand frère lui aussi, souvent il devait partir. Son grand frère était là, il avait le numéro de la femme. Tu as gâté ça le voyage? Comment tu as gâté le voyage? Tu as annulé le voyage. Comment tu as annulé ça? Comment oui? Tu fais quoi? Comment tu vois? Quand tu regardes seulement. Quand tu regardes son nom, tu dis c'est annulé. Il ne va plus. Je ne peux pas être dessus. Tu pars dessus. Tu as gâté qui en vrai? Celui qui est là. Ah, lui là? Mm-hmm. Tu as gâté quoi? Il a fait permis. Il devait avoir au village. Je ne sais pas compris. Il a fait permis là, oui, c'est quoi? Là, ils ont permis. Il a fait l'autocollant. Oui, il a fait l'autocollant. Oui. Il va être permis, il va rester là pour partir, et il va ramener au village. Pourquoi il va rester, il va venir au village. Et tu as gâté qui encore? Toi. Ça va être pas. Oh, non. Et tu as gâté quoi au village? Au village? Bon, sur l'argent qu'on a envoyé là. Bon, avant de parler de ton fils qui est en France, là, tu as gâté quoi au village? Quand tu es le patron de la confrérie du village, qu'est-ce que tu as gâté au village? Bon, pour ma côté, quand les... Non, laisse un peu de côté. Tu as gâté quoi au village? Ils sont en train de tout régler. Hein? Sois-y, tu as gâté. T'as gâté quoi au village? Bon. C'est que là, les enfants de l'école, c'est moqué. Non. Tu as gâté, c'est vrai, les enfants de l'école, tu as gâté quoi encore? Dans nos familles, j'ai gâté les noms et les enfants de l'école.
Hein? Dans vos familles. Dans vos familles, il ne faut pas qu'ils m'ont reçu. Comment? Il faut parler. Faut quoi? Que les gâteaux. Tu as gâté, il ne faut pas qu'il a reçu bien dans la famille. Et tu as fait quoi par rapport à ton fils qui est en France? Ouais. C'est-à-dire que là-bas, je prends un crédit que quelqu'un avant là, c'est ça que tu m'as dit. Il a pris crédit avant. Ça, il crédit pas. Comment? C'est l'argent ou bien c'est viande? Je prends un crédit de viande. Viande de l'homme. Comment ça s'est passé? Oh, lui, il est insulté, il est mort. Ils sont morts, là, on m'a donné un morceau. Il ne faut pas dire quand il est mort, il faut dire quand ils l'ont tué. Il faut dire quand il est mort, c'est comme c'est... Ils ont le tué. Hein? Il y a un insusteur, il s'appelle... Pépin, il était insusteur. Oui. Quand ils l'ont tué, ça vient lui aller prendre crédit. T'as donné quoi? La jugo, là. Cuisse à côté, tiens, il faut manger. Tu as fait play bas. Oui. Après, quand papa est venu, il t'encaisse. Il dit quoi? Comment il t'encaisse? Il est venu quand mon père dit de vous rembourser. Vous me rembourser, crédit. Notre papa est mort, pour nous rembourser. On va manger. Je dis, c'est pas vous qui m'avez dit. Non, je vais pas. D'après. Oui. Bon. J'ai voulu d'aller rentrer dans l'église de Baptiste. Il est parlé par ma femme encore et puis quand l'épouse. Je n'ai pas compris. Donc tu es allé à l'église, tu n'as pas payé crédit là. Ouais. Tu dis non, il faut qu'il parte à l'église. Il ne faut pas y payer une viande. Ouais. Tu es allé à Baptiste. Ouais. Qui est annulé Baptiste là? Qui a annulé toi là-bas? Ah, tu es Baptiste. Qui t'es associé? Tu dis quelle femme qu'elle te prend là-bas? Il a dit quoi même? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis bien sûr. Tu dis que tu allais à l'église. Qui t'a suivi là-bas pour dire qu'encaissé? C'est ma femme qui est venue. Si on parlait par ma femme, ou par ta femme, ouais. Pour dire à ta femme, faut l'encaisser ton mari. Mm-hmm. Va la rembourser. Hein? Dès que ton mari est allé à l'église, vous demandez, lui va nous rembourser. Va rembourser. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle est venue alors. Je te demande, tu dis, tu as dit à ta femme. Oui. Là-bas, il faut lui dire. Comment c'est passé? On parle dans votre télé. Il faut lui parler, comment c'est passé? Il faut lui chanter et te demander, loisir. Et moi, il est au bois. Et moi, parti ici, dans mon boulot, on a moins. Il y a quoi dedans? Il y a des nains, il y a des nains. On fait partie des gardes, on trouve des nains. Je t'ai demandé tout de suite. Il dit, il devait crédit. Maintenant, quand il est parti à l'église, ce qu'il devait là, soit passer par sa femme, il dit, comme lui est allé à l'église, toi, va l'encaisser. Et puis ta femme t'encaissait. Oui, ma femme. Elle t'a dit quoi? Elle dit, les gens m'ont pisé, pour les rembourser. Rembourser qui? Mon fils là. Et tu as accepté? J'ai accepté. Pourquoi elle-même n'est pas partie? Non, premièrement. C'est-à-dire, ah, c'est toi qui dois. Moi, c'est moi qui dois. Donc, c'est toi qui as accepté. Pour moi, j'ai mangé. Ils se disent, quand tu as mangé ça là-haut, tout le cas de mari a quitté, c'est toi qui vas nous rembourser aussi. Mm-hmm. Donc, après, il a pris. Ah, vous, j'ai la. Oui, il t'a demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bambou de Chine. Tu as fait quoi? Je fais bambou de Chine. Bambou de Chine. Mm-hmm. Et tu as fait quoi ça? Pour aller. J'ai pas compris. Bambou de Chine, tu as fait ça comment? J'ai fait l'avion. Avion comment? Bambou de Chine, avion. Air Bangolo. Comment tu fais bambou de Chine? Ça devient avion comment? J'ai coulé, coulé comme ça là. Hein? Il a coulé. Coller les bambous de Chine. Mon pied est là.
pasteur Philippe va t'occuper de... Comment ça? Vous aimez un film, c'est fou, tout comme ça. Donc vous connaissez peut-être toute cette technologie, vous nous laissez en l'état. Donc tu as pris bambou de chine et c'est devenu avion. En quelle heure, l'heure de la nuit, tu es parti? De minuit. Et tu es arrivé en France. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je l'ai rentré dans sa maison. J'ai vu la télé. Mais comment tu as eu accès à sa maison? Deux de caméra. Hein? De caméra. Comment ça? Deux de caméra pour voir, de me voir. Hein? Nous, les demi voir. Oui. Vous regardez dedans? Mm-hmm. Oui, il dort. Tout ça, vous savez, où il dort. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle GPS. Mm-hmm. Donc, tu as fait comme ça, tu as appelé son nom, puis tu l'as vu. Mm-hmm. Et tu es parti chez lui. Ok. Allons-y. Donc, il dormait, tu as pris son âme. Je lui ai appelé trois fois. Tu as attaché son âme. Où? Au village. Je vais l'entrer. Je vais faire le tour. Hein? Donc quand tu as pris, tu dis, venez, j'envoie, viens de là-haut. Mm-hmm. Viens de là, il a pris, ouais, il a attaché. Vas-y, peu. Je dis quand? Ah, maintenant, tu demandes quand on va manger? Mm-hmm. Hein? Je dis 5 novembre. Tu as dit 5 novembre. Mm-hmm. Maintenant, comment ils ont su? Si un enfant n'est pas arrivé, mon fils lui est malade. Et puis il a fait son petit frère, il l'a amené ici. Il pensait que s'il nous fait prier pour nous, c'est renvoyé. C'est là que tu as parlé. Hein? Il est passé tout ici. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Lui, il va mourir le 5, c'est ça? Oui. Maintenant, ton fils est tombé malade là-bas. Mm-hmm. C'est ça? Mm-hmm. Et lui, il a su que c'était une attaque de la sorcellerie. Oui. Lui, il sentait ça. Mm-hmm. C'est vous avez dit, si lui est guéri, malade va s'appeler sous toi. Je dis papa, pardon. Vous laissez moi mon pire en temps. C'est ce qui est fait. Non, c'est tout ce que tu as retenu dans ce qu'il a dit là. Et puis, vous avez dit que si vous nous attendez, quand il vient, vous allez. Donc, d'entendre là, qui est venu ici pour t'encaisser? Pour que tu puisses venir m'attaquer, qui est venu ici pour te rendre visite? Ah, c'est mon petit frère. Il a dit quoi? Mon petit frère, vous venez de l'église, mon petit frère là. Il a dit quoi? Le vieux est venu me voir. Mm-hmm. Un des vieux, pareil, c'est tout ça là. Il a dit quoi? Non, je ne peux pas dire. Tu comprends ce qu'il est en train de dire, en train de dévier. Tu comprends très bien. Parce qu'il n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que le mouton, le bœuf qui devait tuer le saint, il n'est pas mort. Donc il est venu demander pourquoi on fait comment? Pourquoi c'est le mouton est fini, on fait comment? On doit manger. Donc vous avez décidé que le monsieur qui a délivré le mouton, là, il faut qu'on le tue. Le bœuf là. C'est pas ça? Mais il faut parler, moi me dis c'est ça. Oh, mais je vous laisse tout de suite. Hein. Moi j'ai parlé à d'autres personnes. Non mais on a commencé quelque chose, il faut parler. Le béni m'a dit, comme mon père n'est pas mort d'abord, je vais faire une personne, je dis qu'il a délivré pour le père. Oui, parce que ton père est délivré. Bon. J'arrive là-bas. Madame, tu es sorcière. On en est bien. Tu as tué combien? On en bagne bien. Femme. Elle dit 60. 60 personnes. Comment tu les tues? On a comme un barbare. Manu. Elle les transforme en abouti. Comment d'abord tu les tues avant de les transformer? Viens par là, ta maman. Oui, je vais vous voir.
C'est toi là. Elle dit quand quelqu'un dort, elle se transforme en serpent et puis la nuit elle rentre dans sa chambre pour te tuer. Ah, c'est comme ça qu'elle t'a mordu deux fois là. Hein? Toi tu fais tout. Attention. Oui, attention. Elle t'a mordu une fois. Deux fois. Hein? Deux fois. Elle t'a fait quoi? Elle m'a dit deux fois. Comment elle t'a mordu? Bon. Quand on fait l'histoire, au lieu de campement un jour, on fait du village. Elle dit quand on arrive au village aujourd'hui, elle va, le garçon va rester. Elle va dire, elle va te tuer. Tu as fait les histoires avec elle? Ouais. Elle t'a mordu en sorcellerie. Vous deux là, qui est fort en sorcellerie? On a un garçon d'aller au Kmaran. Oh, qui est fort en sorcellerie? Maïen. Je te demande, tu rentres ici. Elle dit c'est elle. Alors, donc tu l'as mordu? Toi, tu allais, on te prend quelqu'un qui ne témoigne pas, tu es quelqu'un qui témoigne là. Tu allais marier. Tu peux prendre quelqu'un qui. Toi, tu allais prendre. Elle t'a mordu deux fois. Sorcellerie. Tu as fait parler avec elle. Deuxième fois, c'est quoi? Deux fois, on a tiré son fils qui est mort là. Il dit deux mois, il m'a maudit ici. Le bal a resté mort. J'ai pas compris. Elle voulait tuer, manger. Oui, elle voulait tuer son fils là, notre fils là. Il dit non, on a fait tirer, il m'a maudit. Deux mois, il m'a maudit ici. J'ai pas compris. Depuis qu'un sorcier ne peut pas manger viande, c'est elle qui voulait tuer. Oui. Et puis toi, tu l'as vu. Mm-hmm. Je ne tue pas deux mots. Je dis non, vraiment enfant. Comment tu l'as fait pour tuer? Elle t'a mordu ici. Et puis elle a récupéré l'enfant. Non. Elle a tué. Okay. Et puis elle a envoyé la sauce. Ah. Hein? Oui. Et tu as mangé. Quand on va se faire, on a dit non. Elle veut dire non. Donc elle a tué, elle a pris l'enfant là, finalement, elle a tué. Mm-hmm. Comment elle s'appelle l'enfant? Elle a tué là, bon. Narcisse. Vous savez qui est-ce que elle dit non, non. Moi je suis patron là. Non. Oh, il y a non, il y a des hommes ici, non. Laissez à faire des exemples. Exemple là, c'est moi-même, il y a bien exemple. Est-ce que toi-même tu veux délivrance? Alors, ma bonne. Vous parlez, je vois. Ton mari, il a parlé pour nous. On a oublié, elle dit si quelqu'un dort, elle se transforme en serpent. Arrivé là où la personne est couchée, elle le tape trois fois et puis son âme sort. Et puis elle prend ça pour faire ce qu'elle a. Je vais prendre ça dans la compagnie. Elle dit la tuer Narcisse premièrement. Mais lui il a expliqué ça. Il dit non, vous pas tuer, toi t'as tué. Il faut expliquer ce qu'il a dit. On a. Bien monsieur, venez expliquer. On a. Comment c'est passé? On a Narcisse. Non, moi, il faut m'écouter, moi là. Je peux revenir sur la même histoire 10 fois. Il faut répéter. C'est comme ça que je suis. Pas l'enguerrer. Hey!
Il dit à un vieux qui est narcisse et puis lui ne veut pas. Donc ils ont lutté. C'est là qu'elle a pris ses pans pour moi, sur sa main et puis lui l'a laissé. Comment t'as tué narcisse? On a quand même pas son. On a quand même narcisse, on a pas son. La vie est faite du bien. Comment tu l'as tué? C'est-à-dire la transformer en rat. Je n'ai pas dit transformer. En quel animal? Il dit comment elle l'a tué? Canon, on passe loin. Elle dit il dormait et puis elle est rentrée dans la chambre pour le prendre et puis le faire sortir. Et ton mari dit qu'il t'a vu, il pouvait lutter. On a ma foi, on a dit on met, il y a un point, c'est bien fort. Oui, mais c'est la même chose, elle me montre pour qu'elle elle dit c'est vrai. Faut expliquer. On a tout mon canoë à soin, moi et moi. Elle dit ce que son mari a dit là, c'est vrai. Mais faut expliquer. Faut pas dire c'est vrai, explique. La scène, moi je veux que tu m'expliques cette scène là, comment c'est passé? Mais comment il a vu? On a comment pour mon yage soin. Attends, je lui force pour parler ou bien elle est sorcière. On a mon flossé, vraiment, on te force. On te force. Attends. Tu t'es demandé, tu dis tu veux te délivrer, c'est pas ça? Non, ma point est bien, il y a comme c'est là. D'accord. Elle veut sa délivrance. Il faut suivre ici. Tu dis tu veux ta délivrance. Il faut parler. Moi, c'est bien, tiens bon, mais vous. Tu veux tuer l'enfant et lui il dit non, vous allez buter l'enfant. Faut expliquer la scène, tu veux comprendre. Oh non, si c'est le bas. Vraiment, quoi, non, c'est moi. Là, au fond, il y a un bail. Pour moi, tout le monde, pour moi, ça n'est pas de ça. Vous voyez, au détail, au détail. Elle dit ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Elle voulait le tuer, puis il dit de pas, ils ont fait pas là, c'est super. Il faut qu'elle explique bien la scène. Attends, tu ne veux pas parler. On te force pas. Hein? Mais tu n'as pas envie de parler ou bien? Moi, c'est mon travail, j'ai besoin de ça pour te délivrer.
Bon, allez-y là-bas, allez-y. Levez-vous, on va prier. Allez-y.